Ok, c'est parti, bonjour à tous YouTube. Aujourd'hui, on fait Seju Animid avec les runes Electro, Cutru, Offensive, Arracheur d'œil, Chasseur Ultime, Rument de Mana et Transcendance. On est contre Ayone, c'est toujours la saison 14. Moi, ça se passe bien pour vous. J'ai commencé à faire quelques ranked. 4 parties, 3 fois Gwen. Tu main Horn, un grand plaisir. On retourne en normal. Enfin, des fun builds. Ça, au moins, vraiment de gens désagréables qui jouent Gwen. On va faire un build full AP sur Seju Ani. On part sur Blonde Orageuse avec un Flamombre, un Rabadon, vraiment que du dégât. Et voilà quoi, bon, Yone en early évidemment. On va éviter trop fight. C'est un personnage qui aime bien les fights longs, surtout vu qu'il a le Lethal Tempo plus un Ignite. Setup très agressif. Je vais juste le poke hop, au Z quand je peux. Ça suffira. J'ai le ruban de mana de toute manière, donc là on est tranquille. On sait Juani AP, comment ça marche? Mais en fait, toutes ses compétences ont un scaling AP. Simplement. Alors son Z c'est un scaling AP, même si ça fait dégâts physiques. Q c'est un scaling AP. E c'est un scaling AP. Hop. En tout scale en AP, donc même son R. D'ailleurs sur son R, il va falloir que je vous dise une petite particularité une fois qu'on l'aura. Il y a un petit truc à savoir du coup sur ses joignes AP par rapport à son R. Si vous le faites pas, le build ne marche pas. Quand on y sera, je vous le dirai. Si la vidéo vous plaît YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre le petit like. On est bientôt au 300 d'ailleurs, merci beaucoup YouTube. Ceux qui s'abonnent. Oh. Et il a plus son Z, on va pouvoir lui mettre un all-in là. Voilà, donc là j'ai exploité le moment de faiblesse de Yone. Vous pouvez faire ça aussi dans vos parties. En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs moments de faiblesse dans un joueur. Premièrement, quand vous voyez qu'il a plus de cooldown, surtout en début de partie, parce que les sorts sont très longs, vous pouvez exploiter ça et du coup utiliser ce temps mort pour taper. En fait, vous voyez, c'est un peu comme si League of Legends c'était un jeu de tour par tour. En fait, votre adversaire a utilisé son tour, il a raté son sort. C'est à vous, open bar. La deuxième situation, c'est quand un adversaire s'approche d'un minion, un sbire. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va tunnel vision sur le sbire, faire moins attention à ce qu'il y a autour, et c'est vraiment un moment où on est beaucoup plus vulnérable, et c'est beaucoup plus facile, en fait, de rentrer des combos dans quelqu'un et de toucher des spells. Parce que, bah, pour aller chercher un creep, forcément, c'est un mouvement très linéaire. Donc, voilà. Hop. Là, je vais voir s'il utilise son Z. Voilà, regardez, il utilise son Z. On va refaire la même, s'il veut ce creep. Ah. Quelque sorte, là, voilà. Bon, là, j'ai raté mon tour, du coup, entre guillemets. Que, bah, j'ai raté mon Q. Là, c'est à mon tour de jouer un peu plus en arrière. Pas me faire avoir. Sur ce beat, je sais pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien max le Q. J'ai un électrocut en plus, donc voilà. Là, il a plus de Z. Donc. Voilà. Et on exploite le temps mort. Vous allez devoir être un peu patient avec le build parce que vous voyez, à part en early, où du coup, bah, vous jouez juste au stade de base. Ah, attendez. Ah, dommage. Pour moi, c'est bien, je sais qu'il a pas de herb quand il revient. À part, ouais, sur le début, vous pouvez jouer avec vos stades de base de Seju Ani. Après, c'est bon, un peu plus la galère. Là, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle saison 14. Moi, pour l'instant, j'aime bien en tant que joueur de tank. Le nouvel item, là, de... Ah, ça, là, celui-là, là, le Roucarne Kainik. Je vous ai dit que j'allais jouer beaucoup contre Gwen. Ça, Roucarne Kainik contre Gwen. First item, broken. Le truc, c'est n'importe quoi. En late game, j'ai un bouclier de 1000 dégâts AP. C'est ridicule. Ouais, vous voyez déjà les dégâts... Ah oui, du coup, enfin, je vous explique un peu la particularité du... R de Seju Ani. Alors, en fait... Non, sérieux. Ah, Ignite, voilà. Oh là 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 là. Non mais les gars, enfin, j'aurais dû Ignite direct. Oui, alors, la particularité du R de Seju Ani. Désolé pour le massacre qui vient de se produire sous vos yeux. En fait, le R de Seju Ani, il fait plus de dégâts. Vous voyez, c'est le deuxième paragraphe. Il fait plus de dégâts si vous parcourez au moins 25%. Enfin, s'il fait au moins 25% de sa distance totale. Donc en fait, si vous êtes au contact d'un mec, si vous engagez avec QZ et que vous êtes au contact, ce que vous voulez faire, c'est reculer et après lancer votre R. Parce que si vous lancez votre R directement au contact, 1, il fait moins de dégâts, et 2, il fait pas l'AE qui explose. Donc, soit vous lancez de loin direct, voilà comme ça là, voilà. Soit vous faites votre combo QZ, et après vous reculez et vous mettez votre R. Et pas autrement, parce que sinon vous allez vraiment rater une grosse partie de vos dégâts, et ça, bah c'est pas cool. Avec Seju Ani aussi, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez attendre d'avoir votre passif avant de vous battre, parce que ça vous donne un buff d'armure temporaire quand vous commencez les fights. Alors, ok, Yone. Ah, ça c'est bon. Et il m'engage. Fais gaffe à son R. En vrai, là, il peut me all-in avec un R. On peut tuer le Yone, j'ai un R. La Neko veut bien venir, je pense que c'est qu'il a vraiment pas envie de me faire avoir. Hop. Et là, il a utilisé son... Ah. Oh, putain. Ça, c'est pas de bol. Bon, bah... Moi, du coup, j'avais qu'un seul combo. Bah, c'est dommage. La Neko est bien jouée, mais...
de la faute de personne. Je manquais de dégâts, c'était tout. Si j'avais plus de dégâts, le Lyonnais serait mort. Oups. Si je touche pas le coup, vous voyez, je perds une grande partie de mon DPS. C'est vraiment... C'est hyper coin flip. Moi, j'aime bien, c'est marrant. C'est ça qui est bon aussi. Ah. Et... Je suis très pas sûr, Yun. Nice. Évidemment, là, avec un peu d'aide, y a pas de problème. Ça file le Darius. Je need your entire team to save Lou mid lane. Bro, on en parle. On en parle des deux solo kills que je t'ai mis. Je vais lui mettre une question. Je lui dis, tu dis ça après t'être fait solo kill deux fois? C'est le man game. Je le tilt mentalement. Ça y est, je joue moins bien. Et la victoire est à moi. Vous savez qu'il y a plein de joueurs OLO. Ça, c'est un truc sur marrant. Il y a plein de joueurs OLO qui ont pas forcément plus de mécanique que des autres, mais qui ont un meilleur mental. Et en fait, ce qu'ils font, il y en a qui ont une technique très particulière. C'est tout simplement que après chaque action, ils vont foutre une emote où ils vont taunt comme ça avec le rire ou un truc, une danse. Et ça va juste tilter l'ennemi. Et ils gagnent comme ça au mental, parce que les mecs après ils sont full tiltés, parce qu'ils ont un mental moins bon, même si leur niveau de jeu est équivalent, et donc au final bah ils perdent la game. C'est insane. Vous savez quoi, je vais le all-in. Mais voilà, je le all-in pas pour le tuer, je le all-in juste pour le mettre low, comme ça je peux aller chercher des plaques. Ou alors je peux le tuer avec un autre combo. Et des fois, vous pouvez faire ça aussi. Alors, plus haut elo, c'est plus dur d'avoir des kills. Donc, en fait, votre but, ça va juste être de les mettre en range de dive pour soit qu'ils recall, soit vous pouvez pouvoir les dive. Mais bon. En tout cas, ça vous donne aussi une bonne idée des dégâts de ces genies. Et à pouvoir me win. Oup. Là, il est presque mort. Bon, là, il va sûrement recall. Et moi, je vais pouvoir aller me prendre une délicieuse plaque et recall pour avoir mon item. Et après, cet item, on fait ça et on est bon. Hop. Allez, tiens, tiens mes babysitters, mon gars. Attendez, il est one-shotable. Là, j'ai mon R dans 10 secondes, on va le faire rager, on va le faire rager un peu, ça va être marrant. Allez, attention, vous êtes prêts? La rage. Hein. Attention. Oh, oh, Yone. Oh, oh. Oh, oh. Peut-être que c'est toi qui as besoin d'un babysitter, Yone. Je crois que... Oh, le babysitter de Yone est arrivé. Regardez. Apparemment, Yone, j'avais moins besoin d'un babysitter que toi. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va pouvoir vendre la potion. En vrai, je sais pas si je suis dépité ou ça me fait rire, les gens qui ragent. Mais bon, en même temps, c'est un peu désolant. Parce que je me dis que si c'est ça qui me pétait un câble dans la vraie vie, ça doit pas être la folie. Ou alors, c'est comme les gens qui passent au volant. Vous savez, ce truc qui fait que quand les gens ils passent dans leur... ils arrivent dans leur voiture tout de suite, ils deviennent cons. Peut-être pareil, hein. Peut-être que faire du League of Legends, c'est l'équivalent de monter au volant d'une bagnole. Hein. Oh là, putain, ça... Oh, plus encore. Pfff. Ah, l'item, il est... Ensuite, il va parler de mes babysitters, là. Mais, J'avais même pas si ça marchait avec le cul de ces genies de flash. Ça marche pas. Il a flash de panique. J'ai mon truc dans... Ok, j'ai mon truc bientôt. Bon, il est mort si je touche un Q. On va essayer de le dive, en vrai. Ah, on va se barrer. Ah, je veux pas m'embêter avec ça. Ah, Darius. J'ai R dans 5 secondes. Vous savez quoi? Allez, hein. Ah, le fou, va. Bah. J'ai même lagué. Même à travers le lac, je te bats. Alors, mon gars, qu'est-ce qu'il y a besoin de babysitter ici? Venez, revenu. H. What? Je crois que j'ai fait nimp avec mon... Ouais, j'ai fait un peu nimp avec mon Q là, je pensais qu'il allait un peu plus loin. Vous savez quoi, je vais laisser push, il va essayer de me dive sous tour probablement. Et comme j'ai mes résistances bonus, il va sûrement rater, surtout que je vais level up dans deux grips. Ok. Ah, il a échoué, j'ai failli le tuer. Oh, vous voyez, il y a un potentiel, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui jouent ces jeux en lane normal, mais en vrai, je crois qu'il y a des mecs qui ont déjà réussi à monter Master ou Grandmaster avec ce genre de build, ces jeux AP. Donc c'était à l'époque où il y avait encore le Everfrost. Mais comme quoi, il y a du vrai dans les troll builds. Il meurt de l'explosion. Oh la vache. Ah, dommage. J'étais vraiment ça. On va reculer. Ah non, attendez, il respawn pas encore le Yone. Il respawn que dans 15 secondes. Ah. Pas Yone, ça. Ah, tant pis, écoutez. Ça prend la tour ou pas?
Oh, j'ai pas les golds. Ah! Attention à toi, Yone. Pas trop le malin avec moi. Ok. Ok. Ok, c'est très propre. Et c'est clean. Propre. Allez, je recule là. Hop. Ah, mais si, il a avancé vers moi. Il a pris moins de dégâts qu'il aurait dû. Ah, je vais mettre un coup de boule dans Yumi là. Zra! Et Rengar est là. Ok, let's go. On va aller aider les Inzao. Et on voit là. Là. Enfin, merci pour le free kill, ça fait 4 stacks en plus. Ah, j'étais sûr qu'il allait faire ça. Je peux le tuer, mais il joue trop safe. Vraiment, à son frère là. Ok, nice, c'est bon, parfait. On y arrive, on y arrive. Voilà. Ah vache, décidément, on en a fallu des choses. Bon, alors le seul qui m'inquiète, c'est Nasus, il est un peu feed. Bon, allez, cool, on va prendre les bots. Oh, j'ai 14 stacks Medjay du coup maintenant. Oh, let's go. Oh, l'ambiance, mon gars. 14 stacks Medjay, combien d'AP? 459, en vrai. Après, oh, ça veut dire qu'une fois que j'ai le Rabadon, je vais, oh, je vais aller direct genre vers 800. Ça va être bien, ça va être bien. Regarde, dans 3 secondes. Donc, dans 3 secondes, je peux prendre un kill. Fasse gaffe, il y a le Windwall du Yasuo, bien sûr. Il y a le Nasus, surtout. Un peu le gros danger dans cette histoire. Nice. ECC, je l'ignite. OCC. Ah, merde, il m'a tué. Ok, let's go, on a une interrupt. Je suis mort, mais worth it. Merde. Ça tue. J'arrive mid, j'ai un R, on peut collapse. C'est l'heure de me refaire sur, c'est l'heure de me refaire sur mon Medjay. Toute l'excellente nouvelle avec Yasuo et Yumi, c'est que bah, si on a un qui meurt, l'autre il meurt avec, donc ça fait 8 stacks. Ah, je pensais qu'il avait déjà utilisé son Windwall. Ok, 1. Et 2, 1. Et 2, 2. Oh, let's go, j'ai même eu un complet. Allez hop, retour à 16 stacks. Vas-y, c'est probablement les défendre mid. Ah, ils ont FF. Eh ben, merci d'avoir regardé cette petite partie de ce jeu, il faut la payer YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, avec le petit like. On est bientôt aux 300, merci beaucoup. Katie, what the fuck. Je vous montre les dégâts, là, juste là. Et voilà les dégâts YouTube. On était à 21 900. On était deuxième derrière le Xing Zhao. C'est plutôt pas mal. Si derrière le Nasus et Yasuo. Mais c'est pas grave, c'était marrant. Merci d'avoir regardé YouTube. Et moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut.